Merde, mais qu'est-ce qui se passe par ici? Chris. Ça, quoi? Chris, je voulais te dire ce qui s'est passé dans l'abri. Je sais à quel point c'est dur. George était ton ami. Ashley, stop. Non, je veux dire, enfin, merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. Et je pouvais faire quoi? Laisser quelque chose t'arriver? Je pouvais pas. Ash, tu vas bien? Ouais, c'est juste... Je sais que toi et Josh étiez proches. Regarde ça. Chris, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis pas vraiment un expert, mais je dirais qu'on l'a balancé. Pas possible. Est-ce que j'ai vu quoi? Ça, Chris, ça! Ça veut dire quoi, ça? C'était comme une forme transparente, comme un fantôme! Mais non. Je suis sérieuse! Pourquoi tu me crois pas? J'ai dit que je l'avais vu, ça vaut vraiment rien pour toi! On a vécu un enfer ce soir, d'accord? Tu es au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je ne crois même pas à ce que j'ai vu. Je sais pas, j'ai juste... J'ai vu quelque chose. Chris... Ash, c'est bon. Tu as... On pète vraiment les plombs en ce moment. On va se ressaisir, d'accord? T'es avec moi? Chris... On garde notre calme. On est en train de devenir dingue ou quoi? Écoute, c'est le seul endroit où peut être Sam. Je voudrais qu'on aille chercher tous les autres et... Et si Sam a besoin de nous? Si elle a des problèmes? Oh non! On bouge. C'est ça? Je crois pas, je veux dire, je sais pas. Comment ça a pu devenir aussi pourri ici? Les portes qui claquent, les bougies qui s'allument toutes seules. Et ce spectre où je sais pas quoi. Je crois que tu sais pas vraiment ce qui se passe ici. J'espère que t'as pas vu cette forme blanche translucide passer à côté de nous. Peut-être qu'on hallucine. J'imagine rien du tout. Ouais, ben, j'ai vu des choses moi aussi. J'ai vu ce qui est arrivé à Josh dans l'abri. Et c'est ça qui m'inquiète. Oh, Chris, je sais. Tu sais ce qui m'inquiète vraiment? Ok, je m'inquiète pour Sam. Qu'est-ce qui lui est arrivé? S'il y a un psychopathe dans le coin, alors... Attends, qu'est-ce, le fantôme? Quoi? Tu l'as pas vu? Non. Tu regardais ton portable, abruti. Qu'est-ce que tu tweets là? Hashtag, y a un putain de fantôme à nos trousses. Ash, calme-toi, ok?
Il n'y a aucun fantôme ici. Fantôme de quoi? Tu flippes à cause de ce qui est arrivé à Josh? Arrête, t'écoutes pas ce que je te dis, je l'ai vu. J'ai vu un fantôme et il ressemblait à Anna, il ressemblait à Anna. Attends, quoi? Ou alors un peste. Sérieux, Ash? Tu crois vraiment qu'elle nous suit depuis la séance? Je sais pas, peut-être. Eh ben non, parce que les fantômes n'existent pas, ok? Ok, alors qui nous parlait à la séance, hein, je te le demande? J'en sais rien. Comment une photo peut sauter du mur comme ça? Ah, une clé. Oh putain! C'est là, regarde là-bas, Chris, dis-moi que tu le vois là maintenant. C'est... Alors? C'est... Tu le vois, non? Je sais pas, c'est juste... c'est juste dingue. Chris, il nous montre la voie. Oh. Regarde, Chris. Là, dans les fenêtres. Voir quoi? Les meubles miniatures? Non, toute la scène, avec les poupées et tout. Ouais. Regarde, cette petite clé. Qu'est-ce que je disais? Le fantôme nous aide. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, on dirait... Non, pas on dirait, c'est vous. Quand vous attendiez Anna, l'an dernier. Mais c'est trop précis, c'est exactement où j'étais et pareil pour Matt. Quelqu'un a dû faire ça, il était là. Quelqu'un ou quelque chose qui nous observait. C'est peut-être un avertissement. Quelqu'un a dû... Je crois qu'on a mis ça ici pour nous faire peur. Non, c'est forcément le fantôme. Il veut nous dire que le taré a tué Anna et Bess. Je crois que c'est cet enfoiré qui veut nous voir péter les plombs. Et pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça? Il veut nous dire qu'il va tous nous buter, c'est tout. Non. C'est le journal d'Anna. On va tous se retrouver à la montagne. Ce sera de pures vacances. Coin du feu et jacuzzi. Et il y aura Mike. Je suis tellement pressée de le retrouver. Je peux pas lire ça. C'est trop triste, Chris. Ça venait de là-bas. Semble moins vieux que le reste, non? C'est un catalogue d'ampoules industrielles. C'est tellement absurde. Regarde. Il y a une ampoule qui est entourée. Puissante pour une ampoule. Ah. C'était déjà bien glauque, mais alors là... Oh! Putain! C'était quoi? Eh mais il y a carrément une autre salle ici. Elle est immense! Chris, je sais pas si je veux continuer.
où... où est-ce qu'on est, bordel? C'est une blague? Tu savais ce qu'il y avait là? Ça, on dirait un autre hôtel. Je savais pas que c'était là. Je pourrais pas supporter ça plus longtemps. Ouais, c'est vrai. J'atteins mes limites, moi aussi. Tout ce que je voulais faire, c'était oublier ce qui s'est passé l'année dernière et... Franchement, pas sûr qu'Anna savait ce qu'elle faisait. Ouais, enfin, tu sais ce que c'est quand on est à fond sur quelqu'un. Génial, donc en gros, tu me dis qu'on a placé une amie vulnérable dans une situation atroce et à cause de ça, elle s'est enfuie et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. À sa place, tu crois pas que tu te serais enfuie? Enfin, t'aimerais pas qu'on se moque de toi? Personne ne se moque de moi. Pas devant toi. Hein? Chris, on l'a fait passer pour une conne. Devant tous ses amis et le gars qu'elle aimait. Je peux pas imaginer faire pire à quelqu'un. Non, j'en ai assez. Il est hors de question que j'aille plus loin dans ce putain de cauchemar. Ashley, je te comprends, tu sais. Moi aussi, j'ai les jetons. Mais si Sam est là, toute seule, avec un taré, et si on se tire, eh ben, c'est comme si on l'a tué nous-mêmes. Ah, putain. Ashley, allez. Pourquoi? T'as toujours raison. J'ai pas toujours raison. Ouais, quand t'as raison... T'as raison. J'aimerais me tromper et partir moi aussi. Non. Il faut qu'on retrouve Sam. En route. Chris, je commence vraiment à avoir un mauvais pressentiment là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, y a un truc qui colle pas. Qu'est-ce qui colle pas? Rien ne colle, le psycho, tous les trucs de fou qui se passent ici. C'est juste que j'ai l'impression qu'on a raté quelque chose, un truc qui relierait tout ça. Ah, je vois ce que tu veux dire, mais enfin, pour trouver ce que c'est... Ouais, t'as sûrement raison. C'est nous. C'est quoi ça? C'est une liste noire? Merde. Oh non, on nage en plein délire, c'est immonde. Personne ne pourrait manger de ça. Alors qu'est-ce que ça fout là? On dirait un putain de film d'horreur.
Oh merde. Regarde là. Du sang ? C'est peut-être celui de Sam. Je vais essayer d'ouvrir ça. Ah, ça y est, mais putain, c'est lourd ! Fais gaffe ! Faut que tu passes, Ash ! Tire plus ! Chris ! Allez, grouille-toi ! Je crois que j'ai vu Sam juste là-bas. Ash, t'es sûr ? Je sais pas, mais il faut qu'on aille voir. Ah, moi, je pense que tout le sang vient de là, ok ? Alors, on doit vraiment se manier maintenant. Ok. Ok, t'as raison, j'arrive. Oh, oh putain ! Ah, j'ai cru que cette chose allait m'écraser. Allez. Je comprends pas. Quel intérêt de refroidir encore cette pièce ? On se calme ! Ce type est pas tout seul dans sa tête, tu sais, Ash. Oh, Chris. Oh, non. Ohé. Sam ? Sam ! Oh, mais je... Merde. Je comprends pas. C'est un mannequin ? Oui, ça, j'avais bien vu. Pourquoi c'est les fringues de Sam ? Je sais pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un habillerait ce truc comme Sam ? Chris, je sais pas et je panique, putain ! Et bordel, où est Sam ? Tout ça est dingue, complètement dingue. Oh ! Oh ! Je vais lui défoncer sa putain de gueule. Qu'est-ce que c'est ? C'est lui. Non, Chris. C'est le type qui a tué Josh. Oh, merde. Non. Non. Connard de tueur de merde. Putain de merde. Regarde, on va crever, Chris. J'ai vraiment pas envie de mourir. Personne ne va crever. J'aurais voulu te le dire. C'est trop injuste. Quoi ? Me dire quoi ? C'est trop tard, Chris. Arrête ça. À quoi bon ? Dis-moi. On a toujours évité le sujet. Et là, je me dis... On a tout gâché. Ashley, on n'a rien gâché. Qu'est-ce que tu veux dire ? Chaque seconde que j'ai passée avec toi, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chris ? Je regrette. J'aurais dû t'avouer mes sentiments. Non, Chris. Ashley, je te jure, dès qu'on s'en sort... Ah, non, Ashley, je ne veux pas que tu meurs. Salut à vous, mes gentils petits cobayes. Oh, fais chier. Tu meurs, Chris ? Non, pas. Oh, que si, Ash. C'est maintenant qu'on s'amuse. Chris a déjà pris une décision importante aujourd'hui. Et maintenant, il doit en prendre une autre. Chris, tu peux prendre le pistolet devant toi et tuer Ashley. Ou te tuer avec. Celui qui reste, reste en vie. Le choix t'appartient. Ne fais pas l'idiot.
Fais pas ça, Chris. Faut que ce soit moi. J'ai déjà sauvé la vie. Oh, putain. Laisse-moi choisir cette fois. Laisse-moi te sauver. S'il me reste une chose à faire dans ma vie, laisse-moi faire ça. Chris, je t'en prie. Oh, pitié. Non. Vous êtes allé trop loin. Ne le voyez-vous pas? Hein? Ne comprenez-vous pas que cette torture a duré assez longtemps? Non? Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens? En quoi êtes-vous si différent? Hein? Vous êtes cinglés! Vous êtes un putain de taré! Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Hein? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Psychopathe! Une espèce de psychopathe! Wow, c'est bizarre.
remercie de m'avoir rejoint. Ce soir, nous allons mener une petite expérience. Bonsoir. Bonsoir, mes enfants. Non. Non, ça va pas. Bonsoir, mes amis. Putain de merde. Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi ? Jess, elle est où ? Elle est pas avec toi. Jessica est morte. Quoi ? Il a tué Sam. Il y a un psychopathe dans cette montagne qui veut nous tuer. Un par un. Je te promets que quand tout le monde sera sain et sauf, je vais traquer cet enfoiré et lui arracher les couilles une par une en prenant mon temps. Il y a Josh qui se fait tuer, genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh, bordel! Et Mike, je pense que Josh est en partie derrière tout ça. Attends, que... Quoi? Je suis pas sûre du tout, mais il y avait un message de son docteur et il parlait d'un plan comme étant une mauvaise idée et maintenant il est mort. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Toi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets ? Oui, pardon. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi ? C'est... quelqu'un qui pleure ? Chris. C'est quoi ça ? Tu as déjà entendu parler des balablans ? Non, sérieusement.
putain. Oh, bordel, Matt. Oh, mon Dieu. Merde. Oh, merde. Oh, bordel. Oh. $100 dans le vent. J'espère que ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut. Voilà. Ça, c'est cool.
Allez, putain de merde! Bordel de merde! Oui. Ah oui. Il y a un an. Qu'est-ce que ça signifie?
Josh. Oh, magnifique. Bravo à tous. Vous m'avez trouvé. Et vous vous en êtes bien sortis. Bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles. Non. Parce qu'elles sont mortes. Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là. C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum, 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 boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste de toute cette panique, Pavlovsky. Et tout ce sang? Le sang, c'était un festival de faux cadavres. En plus, ces conneries, c'est super cher. Et ils sont ratés. Non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir vos têtes. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Il en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet. Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir. Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Hé, les gars! Sérieusement, c'est débile, vous savez? La ferme! Pourquoi tu l'as frappé? Hein? Pourquoi tu l'as frappé, putain? Oh. Mais enfin, de quoi tu t'as parles? T'as frappé Ashley, sale ordure! Oh, je suis devenu dingue! On frappe pas une fille!
Ça se fait pas. Chris, sérieux mon pote. Chris, je suis pas ton pote. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, mon pote. Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. Tu te fous de ma gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Mais t'es malade? Putain, je crois pas. Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que t'as fait? Je suis un guérisseur! Putain! Moi, je réunis les gens! Pas comme vous, pauvre con! Ça suffit. Tu veux voir les choses comme tu veux les voir? Tu es... Ferme-la, femme! Tu es... Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour! Oh, oh pardon, je t'ai fait mal? Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Dans ce cas, je suis tellement, tellement désolé! Arrête! Stop! Mike! Michael, je suis désolé, mec! Tu sais pas à quel point je suis désolé! Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica! Mais je te jure! Je te jure que je sais absolument rien de tout ça! Oh. Merde, Mike, ça... Oh. Je sais pas, il y a vraiment un truc qui cloche, là. Oh. Quoi, c'est une blague? J'ai vraiment du mal à concevoir comment il aurait pu faire quoi que ce soit contre Jess. J'ai vu ce qu'il lui a fait. De mes propres yeux. Ça! Ça! C'est son sang! Ok, on peut passer à autre chose. Ah! Putain! On ne plaisante pas! C'est pas juste! Non! Ça devait pas du tout se passer comme ça! Vous êtes une bande de sales brutes! Vous pouvez pas partir! Vous pouvez pas me laisser crever ici! Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon! Ah! Oh ! Stop ! Oh, la ferme, t'es le plus grand trouillard qui soit ! Ah ouais ? J'ai fait des choses. J'ai créé un monde auquel vous avez tous cru. J'ai révélé une part de vous-même dont vous aviez tous peur. Tu nous as manipulés, tu nous as piégés, tu as blessé tes amis, et tout ça en restant dans l'ombre. T'es qu'un sale lâche, Josh, c'est tout ce que t'es. Ok, on me ligote là, ok? Bouge pas, ouais, mec. Ouais, très bien, mais... Tu peux pas les attacher si je gigote comme ça. Josh, sérieux? Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Bah, moi, j'irai, ok? Moi, j'irai, je peux... Je peux plus bouger. Délire en place. Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Quand tu fais une prise de... Il a déjà dit ce genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Ils sont tous débiles. Ils sont tous débiles. Chris et Ash. Chris est un lâche. Ashley est une idiote. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais idiot. C'est quoi ton problème? Oh, Ashley. Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir! J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais. Stop! Et tu connais ce bruit? Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard! Stop! Ouais, tu sais, tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike. Bah ouais, au moins lui, il en a sous la ceinture, tu sais. Elle devrait aimer ça! T'es vraiment pathétique, Christophe! Je vais lui arracher la tête! Non, l'écoute pas! Laisse tomber! Hey, Mike! 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 Quoi? Si on parlait de... de Jess, Mike? Tu sais ce qui s'est passé? Non! Non! C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess.
Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Vous êtes trop nul! Quoi? Oh, allez! Tu veux vraiment me faire croire que tu vas me tuer? Moi? Pauvre petite chose ligotée sans défense. Tu devrais aller au chalet pour t'assurer que tout va bien. Cette tarée et moi, on reste là jusqu'à demain matin. Oh, c'est la fête. Eh, on commande des pizzas? T'es sûr que ça va? Ouais, ils voudront savoir que tout va bien ici. Pas faux. À demain matin. Josh? Josh! Ça vous a plu d'être terrorisé? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non, 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 non! Parce qu'elles sont mortes! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Si on parlait de Jess, Mike, je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Oh, putain! Oh, bordel, Matt! Thank you.
Ça doit être le chemin. C'est quoi ça? Quoi encore? Ouvre-moi, ouvre-moi! Mais... ouvre-lui, vite! Dans la porte, putain! Dans la porte! Est-ce que ça va? Je pensais pas m'en sortir! Putain, tu hurlais à la mort! Est-ce que ça va? Tout retourné! Un truc! Où est Matt? Assieds-toi, assieds-toi! Il y avait un truc là-bas! Vous êtes séparés? Un monstre! C'est attends. Un monstre! T'es sûr que ça va? Je vais bien, rien de grave. Je dois juste me calmer. Merde, il allait si vite. Quoi? J'ai dû le fuir. T'as dû fuir quoi? Il y avait ce truc, je sais pas ce que Timmy, c'était. Timmy, reste calme, Josh nous a embrouillés, tu mais tu ne m'écoutes pas. Attends, Em, où est Matt? Il va bien? J'ai vraiment pas envie de parler de ce putain d'enfoiré. Waouh. Il m'a laissé, il m'a carrément abandonné quand je m'accrochais à cette foutue tour et que j'allais mourir. Mais quelle tour? Et après, je suis tombée dans une galerie de cette saloperie de mine et il a disparu. Oh, 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 quelle mine? Je marchais lentement dans les mines, il faisait noir. Et j'ai trouvé ce truc avec la tête de Bess. Attends, quoi? J'ai trouvé la tête de Bess. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel? T'es sérieuse, là? Mais oui, je suis sérieuse. Je crois qu'elles sont tombées. Oh, putain de merde. Et le pire dans tout ça, c'est que je crois que... Anna n'est pas morte tout de suite. Hein, quoi? Comment ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est restée en bas, crevant de faim pendant des semaines. Quand nous, on la cherchait en haut, on savait pas. Putain, c'est... horrible. Écoutez, non, dans la tour, il y avait une radio. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. Em!
T'as réussi. Oh putain, ouais, Mike. Et Matt alors? On essaie de le découvrir. Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait. Elle a vraiment pas l'air bien. Emily. M. Wow. Qui ça peut être, bordel? C'est Josh? C'est Jess? C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui? Je sais pas, on devrait aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien. Ok. Je vais ouvrir la porte. T'es prêt? Mm-hmm. T'es prêt? Bon, vas-y, qui que ce soit, il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue? Non, non, arrête, ça marchera pas. Tu gères la porte, je gère le flingue. Merde! Attends, attends, attends! On se calme. On se calme, monsieur. Stop! Ah, oh, putain! Oh. Ok, ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok, maintenant tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez, vite! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sur cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Beth? Ouais, vous êtes pas censé être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable... Vous baissez d'un ton tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne? Hmm? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et c'est quoi un Wendigo? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Ah, je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut, ferme-la, Mike. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous, maintenant, et attendez. Quoi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu crier. Où est-ce que tu l'as laissé? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non, c'est impossible, on est avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non. Je vais aller le chercher. Faut pas que t'ailles dehors, Chris. Je suis censé être son meilleur pote, et je l'ai laissé tomber. Non, il t'a laissé tomber, Chris. Comme nous tous. Je m'en fous, je retourne le chercher. Bon, je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. Okay. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenu. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Bah, si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair? Oui, je crois. Reste bien derrière moi, et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi? Comment vous savez ça? Je le sais, c'est tout. Chris, fais attention. Allez, faut qu'on se dépêche, mon gars. On se revoit vite.
Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que je dois savoir? Fais juste attention. Et suis-moi de près. Donc, je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue? Ils supportent pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme par exemple, une sorte de programme? Eh bien, ils ne chassent que la nuit. Oh. Pourquoi? Je leur ai pas demandé. Il n'y a pas un guide du Wendigo? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur? Non, ça marchera pas. Il n'y a vraiment rien d'autre? Ils te verront pas si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Sauf en dernier recours, évidemment. Les Wendigo sont ou étaient humains. Est-ce qu'ils ont encore une part d'humanité en eux? Ils se souviennent de certaines choses. Je veux dire, est-ce qu'on devrait vraiment les tuer? Peut-être qu'on peut les soigner ou... Leur humanité est partie dès qu'ils se sont mangés entre eux. Il n'y a pas de remède et il n'y a pas de rédemption. Enfin, s'ils sont encore humains, on ne peut pas leur faire du mal. Quand on a un juste devant toi, c'est lui ou toi. Toi, tu peux toujours l'épargner. Mais lui te laissera aucune chance. Non. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif. De la tête aux pieds. Morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Oui. Allons-y. Il est sûrement pas loin. Stop. Ne bouge plus. Surtout pas un bruit. Cours! La vache! On a découvert. Il faut se tirer d'ici. Ah! Oh putain, oh putain, oh putain! Oh putain! Yeah.
Hein? Oh, merde. Oh, mec. Ash, Ash. Oh, putain, merci, vite, laisse-moi rentrer. Oh, la vache. Chris. Oh, bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Il faut se barrer d'ici, ce truc était juste derrière moi. Cours, 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 oh, cours, cours. Terrible là-haut maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance-flammes? Ouais, il. Tu veux dire qu'il est mort? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose, elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh, putain. Bon, pas d'autre porte? Non. T'en es sûr? Qu'est-ce que tu cherches? Une autre sortie. Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais. Emballés comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily? Ouais, enfin, j'espère. Va rester ici. Moi, je me casse. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh? Encore un de ces sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors, on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy, quoi? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça? C'est le sac du vieux. C'est une carte? Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit? Oh, bordel. Attends, hein, qu'est-ce que c'est? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux? Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. J'ai trouvé ces plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais... J'ai trouvé cette chaise, avec du sang séché partout, comme si on avait torturé quelqu'un. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord? Je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas, c'est là qu'il vit. M? M, c'est quoi? Hein? Putain, c'est quoi ça? Ash! M? Oh putain! Mais c'est rien, putain, c'est. Ah non! Ça m'a mordu et. Juste mordu! Qui a fait ça? Le Wendigo. Le quoi? Mais c'est rien, vraiment, c'est pas important. Tu vas bien? Merde! Ça fait même plus mal, vraiment! C'est pas si grave. M? Si ce truc t'a mordu... Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment? Oui. Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Oh, mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit, souviens-toi. C'est comme ça que ça marche? Oui. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous. Oh putain, putain, c'est pas vrai. Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi? Mike! Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi? Non, tu nous mets tous en danger. Non, mais tu déconnes, là. Emily, tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain, mais... Les gars, qu'est-ce que vous faites? La porte est là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Non, tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs, alors que tu sais très bien qu'il y a Wendigo dehors, quand même déchiqueté comme il a fait. Oh putain de merde, casse-toi! Bouge, dégage de là! Wow! Ok. Wow, Mike, calme-toi. Tu vas me tirer dessus? Mike, vraiment? Hi!
ici, c'est notre abri, M. Pitié. Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là. Non. Avec nous. Non. Arrête, fais pas ça. Je suis désolé. Merde, j'y arrive pas. Espérons-le. Peut-être. Pour l'instant. Merde. Chier. Garde un œil sur elle. Si tu vois quoi que ce soit de louche, vous savez quoi faire. Ouais. Personne part. Compris ? C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flammes ? Maintenant, on est foutus. Non, mais ça veut dire qu'on doit rester fort. On doit y arriver tout seul. Je sais pas si j'y arriverai. Ça dit que comme les Wendigo ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leur proie. Oh, oh non, 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 quoi? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les morsures, s'ils nous mordent, c'est pas contagieux. Ça fait absolument rien. Fais-moi voir ça. Attends, tu peux répéter là ? M, ça dit que t'iras bien. Ça dit quoi ? Tu vas t'en sortir. M'en sortir ? Mike a failli me tirer dessus, putain ! Il n'a pas tiré. Mais cette conne, elle a laissé faire. Hey, c'est pas vrai. Elle avait peur. C'est moi qui devrais avoir... je suis désolée, Emily. Je savais pas ce qui allait se passer. Personne savait. Il y a pas d'excuse. Il y a pas d'excuse pour... Je t'en prie, Emily. Je t'en prie, essaie de comprendre. Mais tu vas comprendre ma main dans ta gueule, oui. Je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. Merde. Merde, merde, merde. On doit rejoindre Mike. Tout de suite. Joshua, vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein ? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs, vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysé par votre peur égoïste, alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude, hein ? Pourquoi leur faire du mal ? C'est vous-même que vous méprisez.
vous l'avez déjà reconnu. Oh, bien sûr que si. C'était vos amis, vous les avez trompés, vous leur avez menti. Et vous leur avez fait vivre une nuit d'horreur absolue. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Et que vos amis, s'ils sont encore vos amis, pourront vous sauver d'un sort encore plus terrible que la mort. Oh putain, les gars, enfin ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut, maintenant. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Ah ouais, il... Stop ! Ne bouge plus. Putain de merde ! Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça ? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Em, c'est quoi ? Hein ? Ici, c'est notre abri, Em ! Pitié ! Merde, j'y arrive pas. Garde un œil sur elle. Je vais vite revenir. Ok, ok. Qu'est-ce qui... Putain de merde. Où sont passés les loups ? Une fourche et une foule en colère. Ça ira.
pas possible. Alors, content de me revoir, hein. Hey. J'espérais bien te retrouver. C'est bien, brave bête. Allez, mon vieux, tu viens avec moi. Ok, voilà le plan. J'ai vu une carte de cet endroit, donc on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers la psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Tu pourras gérer ça? J'aurais pas pu dire mieux. T'es un bon gars. C'est pas vrai. Attends, mon bonhomme, doucement. J'aimerais bien me faufiler comme toi. Je crois que je suis bloqué ici. Ok. Voyons voir. Génial. T'as vu? Moi aussi, je me débrouille. Pas vraiment grand.
J'y crois pas. Dans quel bordel je me suis fourré. Ces portes sont construites comme des tanks. Ils étaient cinglés à quel point? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est dingue. C'est pas possible. Putain, c'est incroyable. Désolé, mon gars.
certain. Merde. C'est pas vrai, putain. Putain. Allez. Amène-toi, fils de pute. Où t'es? Quoi? Oh!
Oh merde, merde. Allez, bonhomme. Allez, saute, ça va le faire. Ok, bonhomme. On se voit plus tard alors, hein? On se dépêche, on doit trouver Mike. Allez. Moi, je commence à boiter un peu, là. Je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Non, Chris, on t'abandonne pas. On reste tous ensemble. Mike attendra un peu.
a dû fermer derrière lui. Merde ! Oh, c'est pas vrai, il y a forcément une autre entrée. Et là, ça, ça c'est quoi ? Est-ce qu'on essaie ? Bah, c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix, hein ? Ok, ça, c'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Alors, qui s'y colle ? Après toi. Ah, c'est pas si mal. Tu crois que le tunnel mène au sanatorium ? Ben, j'espère bien. Où tu veux qu'il aille ? T'as mal, mais on doit bouger, ok ? J'essaie, Ash. Il vaudrait mieux qu'on ferme, non ? Bah oui, si quelque chose nous suivait. Oui, bon, ferme-la, mais là, on doit avancer. On se retrouve plus tard, d'accord ? Ouais. Qui est là ? Y a quelqu'un ? Jessica ? C'est toi ? Oui ? Ah bon sang, je suis si heureuse. Oh putain, ça va aller. Regarde, juste là. Waouh, super. L'échelle est foutue, on n'arrivera jamais là-haut. Non, 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 je crois que je peux. J'ai mes chances. C'est comme un mur d'escalade. Je vais continuer. Vous devriez rentrer au chalet, je vais chercher Mike. Bonne chance.
Bah, vivante, quoi. Ouais, vivante, c'est bien. Ouais. Qu'est-ce que tu fabriques ici, d'ailleurs? Je voulais t'avertir à propos des Wendigo. Ouais, je suis au courant. Ouais. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où vit cet enfoiré. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop. Ne bouge plus. Putain de merde. C'est quoi ? Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Waouh! Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il
existe de plus grand danger en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Mais vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Seule. Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Allez-vous-en ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu ne nous as pas sauvés, Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meure ? Je voulais pas que vous mouriez. Je jure. Je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles ? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice. Et il était en train de se transformer en Wendigo. Tu plaisantes ? C'était un des mineurs piégés dans l'éboulement d'une grotte en 50 et quelques. Ce qui veut dire que ce truc doit avoir 80 ans. Au moins. Il tient la forme, le papy. Ils ont fait le ménage. Tué pas mal de gens. Il ? Tu veux dire qu'il y en a d'autres ? Ah oui. Mais combien ? Beaucoup trop. Je pense qu'on n'est pas loin de son antre. Comment tu le sais ? J'en sais rien. Je me sens vraiment mal tout à coup. Pareil. J'ai vraiment pas envie d'aller là-dedans. Il n'y a pas d'autre chemin. Mike,
C'est pas ce que je crois. Merde. On dirait une tombe. C'est bon, viens. T'es sûr? Je suis encore vivant. Ouais, tes dernières paroles. Oh, putain de merde. Je sens plus mes doigts. Attends, ben, je croyais que t'avais atteint le point le plus profond. J'ai pas dit ça, j'ai dit... C'était bon. Genre, y a pas... de requin ou quoi que ce soit ici. Des requins? Génial. Merci. Ça veut dire quoi? Merde. Mais si tout s'explique, je crois que qu'Anna a sorti Bess. C'était Anna. Non. C'est... Michael. C'est ridicule. Michael, c'est forcément ça. C'est la seule explication possible. Bess est morte en tombant. Et alors? Ça veut dire quoi? Donc Anna a dû l'enterrer. Putain de merde. Putain de merde. Anna est restée ici. Je peux pas croire ces conneries. Elle devait avoir faim. Elle devait être désespérée. Merde! Il faut qu'on trouve Josh. Tout de suite. Ça continue. Ouais. Ok. Ça remonte à nouveau. On va s'en sortir. Non, putain, non, dis rien. Viens. On a réussi. C'est pas vrai.
de corps. Oh. Oh, c'est pas vrai. Non. Oh, je vais être malade. Oh. Attends. Je crois que j'ai vu quelque chose. Josh! Je te veille pas. Hey, Josh. Josh. Mec. Non, je t'obéis plus maintenant. Ok. Ok. Je te fais confiance. Qu'est-ce qu'il a ? Il est en plein délire. Josh ! Mike. Josh ! Eh, hey, vieux. Non, me frappe pas. Me frappe pas, pitié. T'étais parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Josh, Anna est restée ici pendant... des semaines, des mois. Elle a déterré Pes. Sam. Mike. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique ? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Tu vois ça, là-bas ? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade. T'étais pas obligé de frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Non. Non. Non ! Non, tu n'es pas réel ! Non, tu n'existes pas ! Anna ! Réussi à t'en sortir. Ouais. Il s'est passé des choses bizarres ce soir. Il y a un putain de cinglé avec nous ici. Non. Quoi ? C'est pas quelqu'un.
c'est quelque chose. Jess, t'as eu une nuit difficile. T'as l'air secouée. Non, je te jure. C'est bon. Je voulais pas te faire peur. Non. Tu peux bouger ? Oui. Allez, Jess. Regarde ça. On dirait un éboulement. C'était moi. Quoi ? Je suis tombée à travers le toit. T'es tombée de si haut ? Putain. Au moins, t'es pas la seule. Quoi ? Eh ben, je suis tombée d'une putain de tour tout à l'heure. Tu plaisantes, là ? Ouf.
Pire si on traîne dans le coin. Allez. Ok. Mike, il lui est arrivé quoi à Josh? Il l'a eu. À ton avis, quelles sont nos chances de survie? J'essaie de pas trop y penser. David, cassez-vous! Allez, 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 allez! Vous vous dégagez! Cours! Yeah.
dirait qu'ils ne sont pas tous morts. Ok, on descend. Je sais pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression ? Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué ? Quoi ? Non ! Non, vous comprenez pas, vous comprenez pas ! Mais s'il vous a attaqué ? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. J'ai entendu Jessica, je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Il l'a braqué sur mon visage, juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard. Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître, mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. J'étais là, sur place, et j'aurais pu faire quelque chose. J'ai essayé de faire quelque chose. J'étais faible. Comment vous êtes-vous retrouvé dans les mines ? On m'a porté et emmené. Et qu'avez-vous vu ? Je sais pas. Je sais plus. Il pétait complètement les plombs. Il voulait nous faire du mal. Et... J'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru. Et j'ai cru qu'on était proches. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un... Je vais bien. Vous savez, parfois... Suite à un profond traumatisme. Je vous dis que je vais bien. Je l'ai planté et j'ai essayé de m'enfuir, mais je savais pas. Il faut me croire, je savais pas. Savoir quoi ? Et planter qui ? J'ai poignardé le psychopathe. Je savais pas que c'était Josh. Et en fait, c'était lui, le psychopathe. Sauf qu'on pouvait pas se douter que Josh avait toutes les scies et le flingue en bon sang. Où est Matt ? Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'ils ont... Ils ont fini de l'examiner ? Je suis un peu inquiète parce que... Je veux dire, je suis sa copine. Est-ce qu'il vous l'a dit ? Enfin, il m'en a peut-être un peu voulu pendant quelques minutes, mais... Il sait que je suis très attachée à lui. Il le sait. Il vous l'a dit, ça, non ? Votre amie Ashley, elle dit qu'elle a voulu vous aider. Non. Elle dit qu'elle vous aurait entendu crier. Non. C'était pas moi. Michael. De quoi vous rappelez-vous ? Il est venu pour moi. Pour me sauver. Vous sauver ? Où est-il ? Il s'en est sorti. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Pour y chercher quoi, Sam ? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerais n'importe quoi pour oublier ça.
On a trouvé un survivant. Un survivant, je répète. Est-ce que c'est... Oh, merde! Reculez! Non, non, reculez!